Hey, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir enfin pour le retour du Rack Sweet Challenge avec la famille McDouglas, je crois qu'on les avait appelés comme ça. Ça faisait. On n'avait pas streamé depuis dimanche dernier sur cette famille. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous êtes bien reposés, etc. Et du coup, bah, coucou Leps, coucou Julie, coucou Johanna, coucou Datanote, coucou Leila également. Et merci pour le flow, Os, merci à toi. Ouf, à mon avis, OSS, enfin, je vais te ban dans pas longtemps, puisque c'est un double compte. Génial. Et coucou, du coup, Silvio, coucou Slowey, coucou Cool également. Écoutez, moi, ça va très bien. Ça va très très bien. Bonsoir. Si vous avez passé un bon week-end, coucou Milena. Eh bien, écoute, moi, ça va très bien. J'ai passé un très bon week-end. Voilà, j'ai vu des amis qui sont venus manger hier soir. J'ai fait des travaux dans mon appartement, tout simplement. J'ai enfin terminé de faire les travaux dans mes toilettes. J'ai repeint toutes mes toilettes. Voilà, il y a eu besoin de faire des travaux dans cette pièce-là. Et ça fait du bien d'avoir enfin terminé cette pièce. Il ne reste plus qu'à mettre des étagères et un peu de déco. Et ce sera terminé. Ce sont des bots que si tu fais sur leur profil, tu fais ton RCP qui va récupérer un truc comme ça. Je les bannerai à la fin du stream. Et coucou Sixel, comment tu vas? Je les bannerai juste après mon stream. Ça, il n'y a pas de souci. Du coup, on va passer sans plus tarder hop, sur les Sims. Et on va continuer à papoter ensemble. Alors, mon jeu va sûrement laguer de ouf, comme d'habitude, quand on est à Unquardom Bagley les quelques premières minutes. Ah, écran noir. Ah, ça y est. Tu as plus de courage que moi, j'ai encore plein de travaux à faire dans mon appartement. Bah, en fait, j'en avais marre de. Déjà, j'avais arraché toute le papier peint sur un coup de tête. Et là, j'en avais marre d'avoir les murs tout défoncés, donc j'ai rebouché tous les trous. Et j'en avais marre que mes murs soient à moitié blancs, à moitié verts. C'était l'ancienne peinture qu'il y avait en dessous. Du coup, j'ai tout repeint en blanc. Et ça fait bien plus propre. Enfin, je dis ça, mais j'ai techniquement pas fini, il faut que je refasse le sol maintenant. Mais voilà. Hop. Alors, du coup, alors attendez, on s'était laissé la dernière fois où Simon et Audrey avaient eu un enfant qu'on avait appelé du coup Samuel. Hâte de voir d'avoir mon appartement, tu m'étonnes. Et donc voilà, donc on leur a fait la petite chambre d'enfant, si je me souviens bien. Pour tout péter et refaire. Ah bah après, ça coûte un peu d'argent de tout casser et de refaire. Alors bon, ça lagouille un petit peu au début, c'est normal, ça va se corriger. Y a pas d'éclairage là-dedans? Ah si, c'est là. Hop. Et coucou Ninou, comment tu vas? Éclairage automatique. Tous les éclairages, voilà. Histoire que ça nous fasse un peu économiser d'argent. Chama, toi et vous par ici, personne n'est mort chez toi du coup. Non, personne n'est mort chez moi, c'est bon. Et bonsoir Caro, comment tu vas? Alors forcément au début ça lagouille un petit peu, c'est normal. Hop, hop, hop. Donc, et puis bien entendu, toujours aucune nouvelle pour le partenariat, malheureusement. Toujours aucune nouvelle, donc je suis un petit peu dans la PLS. Mais bon, c'est pas grave, on va y arriver. Je vais apprendre à prendre le train pour rentrer et c'est le bordel. Ah ouais? Mon pauvre. Alors attendez, on va un peu s'occuper de notre petite ferme. Moi je regarde, j'ai des discussions d'adultes avec mes potes et leurs parents. Hop, alors attendez, le bébé il dort, donc là on n'a pas besoin de s'occuper de lui, c'est parfait. J'ai la musique CPU dans la tête de Astro Playroom. Alors oui, alors cette musique, c'est la musique du démon. Hein. Globalement, à partir du moment où tu joues à ce jeu qui est sur PS5, tu l'as en tête pendant des heures et des heures. Ah, ma Sim 7. Attends, ma Sim 7. Tu vas d'abord te préparer à manger. Ça va et toi, tellement pas envie de reprendre une semaine de taf. Ah bah tu m'étonnes. Bon courage à ceux qui reprennent le travail. Ajoute sur ton challenge de ferme en ruine. Et oui, c'est vrai que tu m'y fais penser. Il y a le challenge en ruine en ce moment. Enfin, la ferme en ruine qui est en cours. Il se termine mardi. Et du coup, dès mercredi, je commencerai à visiter les maisons. Ça va bien et toi, j'ai gagné le dernier Rikikit sur un stream. Je l'adore. Oh bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. C'est un très très bon kit hein, pour le coup. Va pas dormir. Mais elle est con, elle va mourir de faim. Cuisiner. Allez. Allez, on y croit le jeu. Tu vas cuisiner ça. Mais voilà. Mais ouais, en tout cas, le nouveau pack est très très bon. Hein. Pour ceux qui n'y ont pas encore joué, il est vraiment cool. Je vous aide à l'acheter si ça n'a pas déjà été fait. Il est vraiment sympa.
OMG, c'est bientôt la rentrée pour moi, je vais décéder. Et bientôt la rentrée pour ceux qui ont cours, malheureusement. J'espère que ça va bien se passer de votre côté. Ah, il y a le bébé qui est là. On parlait pas de rentrée. Ah, c'est aussi la rentrée pour les profs, forcément. Alors, excusez-moi pour les petits coups de lag, c'est normal, c'est le début du stream, à chaque fois ça lagouille un petit peu. Je vais me servir un verre d'eau pendant que ça sauvegarde, tiens. Hop. J'ai plutôt besoin d'avancer sur le challenge de la ferme. Bah, tant mieux. De toute façon, vous avez jusqu'à mardi minuit pour pouvoir y participer. Hop, j'espère que tu ne visiteras pas ma construction pendant ma séance de torture. Bah, je vais les faire dans l'ordre. Les meubles sont super réussis. Mais ouais, c'est louche, bien d'accord. Ils sont super bien réussis, les meubles. Alors après, je trouve qu'il manque certains swatchs, il manque certaines choses. Mais dans la grande majorité, il est très très bon. Hop. Et j'ai mon chat qui est déjà en train de miauler. Forcément, ce n'est pas drôle. Ah là là, j'adore ce chat. Allez, mes Sims. Allez, on y croit. Prendre un bain. C'est ouf comment le jeu il lag sur une forme Bagley, c'est une catastrophe. Quoi, ceux qui retournent en cours, élèves comme prof. J'avoue. J'avoue, j'avoue. Alors, ma Sim 7, il lui arrive quoi? Non. Ah, excusez-moi. Et je sais plus si j'ai dit bonjour, mais coucou à la rediff YouTube également, je crois que j'ai oublié. Coucou à vous. Hello, j'ai craqué sur le nouveau add-on. Je viens de commencer à le restwitch en version un peu plus réaliste. C'est-à-dire pas de poule dorée ou de lucitrouille dans ma ferme. Je ne déplace pas les étables, murs et au fur et à mesure de mes constructions. Oula, bah, bon courage. Bon courage, bon courage. J'aurais pas la patience pour être prof. Chaque année, c'est la même qui recommence. Reprendre tout le programme depuis le début. Ouais. Ça peut être un peu compliqué en effet. Je sens que le bébé, au moment où ma Sim 7 va aller dormir, il va pleurer. Donc on va s'en occuper. Et oui, donc du coup, excusez-moi, mais du coup, coucou à la rediff YouTube, je sais plus si je l'ai dit. Au cas où, je vous le redis. Après, une fois que tu auras fait ça, tu vas faire serrer dans les bras. Tu vas faire hop. Parler. Hop. Dodo de l'inné. Et bercer. Changer la couche. Puisque visiblement tu as fait au moment où je suis entré. Pensez à liker, c'est ça. Tu regarderas les résultats de ton défi en live. Oui, c'est ça. À partir de. En fait, tous les mercredis, je regarderai. Tous les élèves de mercredi, en fait, seront. Comment dire? Ce sera vrai. Quand je vais pas y arriver. Seront consacrés à la visite des maisons de mon challenge. Tout simplement. Hop. C'est gentil, les gens qui font la petite pub pour YouTube là. Hop, alors bon, maintenant que t'as fait ça. Lui, il fait ça, il va aller manger. Sans oublier la cloche. Oui, aussi. Hop, est-ce que je peux cuisiner des trucs? Oui, ragoût de citrouille, soupe de champignons verdoyants. Et bon, on va faire ça. Soupe de champignons. Allez, go. Comme ça, une fois que tu auras fait ça, tu vas pouvoir aller récolter et te faire un max de thunes. Ah, parce qu'on est méga riche, hein. On se fait plus de 20 000 simflouz par jour quand même dans ce jeu. Ah, tiens. Est-ce que tu pourras entretenir le jardin et après, du coup, survendre? On se fait littéralement 20 000 simflouz, hein. Une fois qu'on aura atteint les 100 000 simflouz, il restera plus qu'à faire en sorte de gagner un concours, remporter. Comment ça s'appelle? Également la. Oup, le bébé pleure, le bébé pleure, le bébé pleure. À remporter, enfin à finir l'aspiration. Et du coup, on aura terminé le Rex Story Challenge. La campagne, ça va gagner, c'est ça. Et coucou, The Skyler, comment tu vas? Attendez, bah, ma femme, tu vas te réveiller. Bah, tu vas nourrir, allaiter. Dodo de l'inné. Changer la couche sale. Et bercer. Voilà.
Ça, c'est fait. Ah bon. Oh! What the fuck? Mais. Attendez, on est d'accord que le citrouille vient de s'occuper du bébé. Mais donc, du coup, ça a annulé les commandes de la meuf. Bercé, voilà. En vrai, il est très chiant, le citrouille. Je pense que je vais le jeter. Enfin, je vais le jeter, je vais le virer. Voilà. Peut-être faire que tu t'occupes du chien. Au pire, tu vas dormir. Mais va dormir au lieu de faire la sieste. Ah, mais elle est con, hein, quand même. Hein. Voilà. Comment trouver un enfant avec le citrouille? Mais je te jure. Hop. Bon, Sims, il est où? Là. Ah, bah lui, il a besoin full dans le verre. Alors à ce moment-là, tu vas t'occuper du chien. Tu vas lui donner un bain. Ah, c'est vrai que j'ai pris une femme de ménage. À la base, on n'avait pas dit qu'on devait prendre plutôt un majordome plutôt qu'une femme de ménage. J'ai dit donne un bain au chien. Récolter la culture. Voilà, il s'occupe un peu du chien. Puis Simon, il a grossi. Oh là là là. Et bonsoir, Lucifred, comment tu vas? Comment vas-tu? Est-ce que tu as passé un bon week-end? Il est pratique des fois dans la partie, il fait la lessive. Mais l'étend pas la dernière. Quoi? Mais ne l'étend pas, oui. C'est dommage. Bah, on peut pas trop lui en demander à Lucitrouille. Ça grandit quand, ça? C'est les bambins, là, parce que je veux pas dire, mais j'ai pas envie qu'il reste comme ça pendant 12 millions d'années. Sachant que je sens qu'il va pleurer. Ah, en parlant de pleurer, il y a mon chat à côté. Hop là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Si, je sais. 3 jours normalement, ok. Alors, ici on est à combien? On est à 70 000 simflouz. Et ben, je pense qu'on va... Attendez. Est-ce qu'on ne mettrait pas les 30 000 simflouz là maintenant? Et du coup, c'est-à-dire qu'on aurait terminé l'objectif de devenir riche, entre guillemets. Tu peux changer d'âge en cliquant dessus. Ah, c'est vrai qu'on peut se faire ça aussi. C'est vrai qu'on peut faire ça. Prendre, ajouter de l'argent. Si je rajoute 30 000, enfin techniquement 29 900. Parce que je crois que si je fais ça... Et bonsoir, Chéris, comment tu vas? Objectif, d'être riche en une génération? Oui. Alors, en même temps, on n'a pas fait le million, mais on fait 100 000 simflouz. Bah voilà. On a atteint les 100 000 simflouz. Et bah, je pense que ça mérite des applaudissements. Je vais les mettre moi-même, hop. Et coucou, Elena, comment tu vas? Alors on a réussi cet objectif de devenir riche, entre guillemets. On a 100 000 simflouz, on va pas faire le million parce que c'est un peu long. Mais pour moi, c'est grave cool. Du coup, tu finis la maison et ton let's play est fini. Alors non, il me reste encore de finir la maison. Faut encore que je complète l'aspiration. Donc faut que j'offre 3 cadeaux. Donc ça, en vrai, on peut le finir aussi pendant ce live là. Hein. Quoique, là faut que je fasse 2 et 3. Ok, donc faut que j'offre des cadeaux à des lapins ou à des canards. Ouais, à des renards. Et une fois que j'aurai fait ça, j'aurai encore des missions. En fait, on va faire les missions là qu'il y a ici. Et terminer la maison, mais on ne trouve plus. On va le laver, on va le nourrir. Et toi, tu vas le tondre. Au niveau des poules, tu vas disperser de la nourriture. Parce que sinon, elles vont clamser les poules. Allez hop, tu te dépêches. Maintenant, essaie d'être millionnaire dans les Sims. Ouais, ça va être compliqué. Bon, le million n'est pas prévu. En vrai, je pense pas faire le million. Hop.
En vrai, on a eu de la chance, on a réussi à choper des fruits du dragon assez rapidement, donc ça a pas mal aidé. Ramasser les œufs. Il y avait écrit quoi? Faire éclore des œufs. Hop, dans mon inventaire, on va aller récupérer ce que j'ai à récupérer. Pas tout, on va vendre la laine. Hop, Sims 3, t'achètes une bonne voiture. T'as fait toutes tes économies sur plusieurs générations qui partent, j'avoue. Et coucou Mystis, comment tu vas? Comment vas-tu? J'ai ramassé 8 œufs. Oh, c'est que des œufs normaux. Ok, hop, on va les vendre. Voilà. Donc ça, c'est fait. On va venir. En fait, Lucitrouille, il fout rien. Il est tout le temps en train de soit jouer à l'ordinateur, soit en train de dormir dans l'argent. D'ailleurs, ça me fait penser que toi, là, maintenant que ça c'est fait, tu vas fermer et verrouiller. Comment ça va, Mystis, du coup? Parce que d'ailleurs, dans le chat, vous avez tous passé un bon week-end. Ah, il y a le bébé qui pleure, merde. Hop. Donc, à changer la couche sale, tu vas de nourrir au biberon, dodo de l'inné et bercer. Voilà. Allez, dépêche-toi, Simon. Je suis éclaté de mon week-end. D'ailleurs, mon frère s'est marié. J'ai été invité aux deux cérémonies civiles et religieuses. Donc, double dose de soirée, c'était pas jusqu'à pas d'heure. Ah bah, tu m'étonnes. Hey, il a pas fermé les. Mais. Qu'est-ce que ça m'énerve, ça, quand ils font pas ce que je leur demande. Mais arrête de pleurer, maudit enfant. Ah, il veut sortir, le pauvre chien. Attendez. Dodo de l'inné, nourrir au biberon et bercer. Et après, toi, tu vas faire une courte promenade. Hop. La mère, elle passe son temps à dormir là. Il va peut-être falloir qu'elle se lève aussi là. Lève-toi. Va pisser. Va te faire à manger. Donner cet enfant à manger aux poules, là, j'avoue. Et coucou Elena, comment tu vas? Comment vas-tu? Je me souviens plus trop des voitures. Si, eh ben, c'est dans les Sims 3 où il y avait les voitures. Ça coûtait super cher. Tiens, fais une. Tiens, tu vas faire un truc de groupe, comme ça on pourra manger des restes pendant plusieurs jours. C'est bon, le bébé dort. Toi, t'es comment au niveau de tes besoins? Mais pourquoi tu t'occupes pas du chien? Ça, vous voyez, c'est le genre de truc qui m'énerve dans les Sims 4. C'est que tu demandes à faire des actions et à chaque fois, ça veut pas. Alors que j'ai bien cliqué sur faire une courte promenade quand même. Allez, dépêche. Et voyez, genre je lui ai dit d'aller faire ses besoins et ça m'a enlevé le truc. Ça c'est quoi du coup? Encore une fois, le demander d'aller faire ce besoin, il a sauté. Allez, vous allez voir que ça va encore sauter, j'en suis sûr. Ah non. Ah ça y est, bah enfin, bah putain. Il aurait le temps de mourir, ce pauvre chien. Alors, ouais, répare-le toi-même, tiens, pour une fois. Hop, tu vas prendre une portion. Ou aux invités pour Noël. Tout de suite. Ça va et toi? Désolé du retard. Bon, t'inquiète, y a pas de soucis. Bah écoute, ça va. Ça va, ça va. Alors j'ai des courbatures partout parce que j'ai fait des travaux dans mon appartement tout le week-end. Littéralement, vendredi, quand j'ai coupé le live, j'ai commencé à repeindre la pièce des toilettes. Et une fois que j'ai fait ça du coup le vendredi. J'ai fait 3 couches. J'en ai fait une le samedi et une le dimanche. Ça me choque que les animaux aient de la nourriture, mais rien pour l'eau. Non mais oui, il y a plein de trucs, c'est pas logique. Comme par exemple, genre ils demandent pour aller faire leurs besoins alors que les chiens peuvent sortir dehors comme ils veulent. Toi aussi, ça n'a pas de sens.
Ah bah du coup tu vas aller dormir. Ma femme, elle est où? Là. Tu t'emmerdes. Ah, c'est un peu con. Tu vas mettre ça au frais. Et bah du coup, enfin regarder la télé. Regarder un film. Cœur à prendre, voilà. Toi, tu vas aller faire dodo. Mais je crois que t'avais une pastèque dans ton sac. Oui, qu'on va les mettre tout de suite dans le frigo. Puisque si je dis pas de bêtises, c'est le... bah, demain, dans le jeu, il y a le concours de fruits géants. Donc en vrai, si on arrive à remplir cet objectif-là aujourd'hui, il y a moyen qu'on termine très vite le challenge en fait. On aurait dû appeler Dindon le bébé, j'avoue. Bon, ma Simset, elle va comment? Elle va mieux? Elle a l'air d'aller mieux, en tout cas. Oui, elle est tout dans le verre, parfait. Et bah, si t'as tout dans le verre, du coup, ce qu'on va faire, c'est que tu vas bah, fermer ce maudit coffre-fort. Et coucou, Aria, comment tu vas? Bah, écoute, moi, ça va très bien. Un petit peu fatigué, enfin, j'ai des courbatures, j'ai fait des travaux dans mon appart, mais sinon, tout va bien. On a terminé l'objectif de devenir riche, parce qu'on a obtenu les 100 000 simflous qu'on s'était fixés pour le Raksuri Challenge. Donc voilà, maintenant il reste plus qu'à compléter les objectifs que je m'étais donné. Le but du challenge est de devenir riche à la campagne, pardon j'ai pas suivi les rediffs. C'est exactement ça, à partir des cultures que l'on a, à la base mon sim c'était SDF, il avait même pas de maison, il avait rien. Il a dû se débrouiller, il a dû acheter le terrain et tout, c'était super long. Ici c'était un terrain en ruine, d'ailleurs la ruine je vous la propose à la rénovation. D'ailleurs le challenge se termine mardi, ouais. Et voilà, en fait, j'ai construit cette maison. Alors, elle n'est pas terminée, il faut que je la termine. Et en fait, je pensais faire ça sur plusieurs générations. Et au final, sur une seule génération, j'ai réussi à être riche. Après, j'ai mis l'espérance de vie longue aussi. C'est peut-être pour ça. T'as avancé vite. Bah, j'avoue, même moi, je suis un peu choqué. Alors, attends, parce que je fais juste enlever ce coussin-là. Il me gêne plus qu'autre chose, en fait. Ah, c'est mieux. Mais ouais, je me suis pas trop mal démerdé. Hop, merci cool pour le point d'exclamation YouTube. Ok, donc ma Simset elle est là. Le bébé il est réveillé donc il va pas tarder à pleurer. Bah voilà. C'était une question de temps. Hop, tu vas changer la couche sale, tu vas dodoliner, tu vas lui parler, tu vas le nourrir en l'allaitant et tu vas le bercer. Yes! Réseau c'est plus simple, c'est ça. Et merci Ereli pour le follow. Merci à toi. Regardez-moi, mais pourquoi cette Google elle peut pas sortir? Alors elle a pu rentrer donc elle peut sortir, hein, se téléporter. Hop. Hop. Ah mais c'est à cause de Lucitrouille en fait. Oh, barre-toi Lucitrouille. En vrai, pour le peu qu'il fait, je vais l'enlever, je pense. Se plaindre de l'acteur. Il peut pas dégager. Genre changer la couche sale. En fait, c'est lui qui m'empêche de faire les actions depuis tout à l'heure. Hop. Dodeliner et bercer. Voilà. Et il n'y a pas un truc genre, quand je clique sur le truc de l'épouvantail, genre le ramener. Non, bah non, on peut pas, quoi. Des nouvelles de Twitch? Non, toujours pas. Toujours pas, toujours pas. Oh, il me fait trop de la peine, le chien. Et qu'est-ce que t'as, Noxy? Oui. J'ai mon chat qui miaule à côté, je sais pas si vous l'avez entendu. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Non, il dort le bébé. Laisse-le dormir. Oh, merde. Oui, le chien, on va s'occuper de toi. Faire un câlin, jouer et donner une friandise. Ce serait fun si tu pouvais présenter Lucitrouille au concours de légumes. Genre une citrouille qui bouge, ça vaut 1000 citrouilles géantes, j'avoue. Ok, alors mon Sims, il va pas tarder à se lever. Tu vas aller prendre un bain. Et coucou Emma, comment tu vas? Tu finiras quand le quatrième sur deux? Ouais, j'avoue.
C'est bizarre que tu n'aies toujours pas de réponse de nouvelles de Twitch. Peut-être demain. Je pense, le week-end, je pense que c'est normal qu'il n'y ait pas de réponse. Mais là, j'avoue, ça commence, ça fait quand même 14 jours. Ça fait 15 jours, même pour être exact. Ils ont dit que j'aurais une réponse entre 7 et 14 jours. Alors, je pense quand ils disent c'est jour ouvrable. Donc, techniquement, au pire du pire, je devrais avoir une réponse mercredi. D'ailleurs, il n'y a pas une image pour ce bug. Pour, c'est-à-dire. Sur les vacances, ça n'aide pas. Ouais. Enfin, je trouve que c'est un peu la bonne excuse, hein, les vacances. Classement sur le concours. Ah oui, oui. Je sais pas du tout s'il y a une mise à jour, je pense pas. Mais pourquoi tu parles aux plantes? Parle à ton chien, le pauvre là, il est tout triste. Caresser. Tu sais quoi? Bah, tu vas le. Je veux dire, tu vas te promener, mais peut-être pas. Laisser lécher le visage, voilà. Et coucou Olive, comment tu vas? Amène-le en promenade. Ouais, je pense que je vais faire. Alors, il faut que je trouve des lapins et des... Ah putain, il faut que je m'occupe des animaux aussi. Nourrir, tondre, laver... Ah, on va disperser de la nourriture, ramasser les œufs et on va nettoyer le poulailler. Et il y a la moitié des actions qui ont disparu encore. Non mais ça me... Oh, ça me rend fou. Vu dans les spectatifs, c'est vrai, mais c'est ça, ouais. Je veux bien, à part que j'ai la totale, c'est-à-dire... Et coucou, Madame Tortue. Mais c'est ça, en fait, c'est juste que c'est d'être dans l'attente qui est un peu relou. Ah, attendez, qu'est-ce que vous montrez notre site? Regardez qui est là. Regardez qui est là. Hop, ça c'était le petit coup de micro. 14 jours ouvrés, il faut compter les vacances, le décalage horaire, le calendrier social, l'existence temporel et surtout la synchronisation relative du temps virtuel. Non mais c'est ça. Après je peux comprendre, hein, mais bon c'est que... Moi je veux une réponse. Alors là, j'ai mon chat qui est sur le point de faire une bêtise. Je vous le dis, je le vois encore une maison, elle va tomber. Donc, vendre, tu vas aller faire pipi. Voilà. Et une fois que tu as fait ça... je sens que mon chat va faire une bêtise. La dondon, c'est ça. J'ai un rhume à la gorge et tu... pas une femme... Ah oui, non, en effet. Mais va pisser le Sims au lieu de bugger comme ça, là. Oh, qu'est-ce que ça m'énerve. Vous comprenez pourquoi j'aime pas faire du gameplay dans les Sims 4? C'est H24 bugué. Pour ça, je préfère la construction. D'ailleurs, avec l'argent qu'on va avoir maintenant, on va terminer la maison. Il y a un lapinou. Action. Non. Interaction sociale. C'est peut-être pas ça. Cadeau. Offrir un cadeau. Offrir de la laine. Voilà. Mais te lave pas les mains, on s'en fiche, je suis fermé. QA, Mister C n'est pas une fable. Ouais, bon, c'est ça. Ta partie en tient une couche niveau bug. En vrai, ouais, c'est un truc de ouf. Je l'ai remarqué aussi que ma partie est full buggée. Ok. Yes, et il faut que je retrouve un autre lapin. Il n'y a pas un autre lapinou quelque part? D'habitude, ils sont 3 millions à sortir. Où est-ce qu'il y en a? Il y en a peut-être un deuxième. Et si je clique dessus? Tenter de faire sortir un lapin. Pareil, j'ai pipé les bugs en gameplay. Non, mais c'est ça. Fais-en sortir un autre. Bon, bon, il s'occupe du chien. J'allais gueuler, mais bon, il s'occupe du chien. C'est déjà pas mal.
Ah, bon. Ah, attendez. On va mettre sur pause et on va essayer d'en trouver un autre qui se balade. Il y a moyen qu'on puisse trouver ça. En fait, j'ai remarqué, c'est le terrain qui lag de ouf. Soit c'est déjà le lapin que je me suis occupé, je pense, non ? Cadeau. Offrir un cadeau. C'est moi, apprécier la variété, essayer d'offrir... Ah oui, celui-là, on s'est déjà occupé, lui. Où est-ce qu'il y a un autre animal ? Depuis, il y a toujours des renards qui se baladent et tout. Faut vraiment que je finisse son challenge. Mais je me bats avec les toits. Les toits sont très chiants. Ah, bah attendez, là. Admirer, cadeau. Offrir un cadeau. Offrir de la laine. C'est préférable de demander ça sur le Discord. Comment vous trouvez mon magasin que j'ai partagé en photo? Oui, c'est sur le Discord que l'on fait ça. Hop. Cadeau. Alors, offrir un cadeau. Offrir de la laine. Pourquoi ça n'a pas marché encore? Aime les jeux vidéo. Oui, si tu veux. Et coucou Cory, comment tu vas? Faut vraiment que je finisse son... Ça, je l'ai déjà lu. Faut que tu aies le cadeau dans ton inventaire pour l'offrir. Bah oui, je les ai sur mon inventaire, c'est juste que ça s'est annulé. Il consiste en quoi le challenge? J'arrive pas... j'arrive après la guerre comme toujours. Tu peux faire point d'exclamation de challenge si tu veux pour... dans le chat pour avoir les règles. Mais globalement, mon Sims a 0 Simflouz. Il doit finir riche avec plus de 100 000 Simflouz. La maison, à la base, il était SDF. Donc maintenant, il a une maison. Il faut que je termine la maison. On doit compléter l'aspiration qui est arrivée avec la nouvelle extension. Et on doit également remporter un concours. Donc, concours de bouffe, enfin, qu'importe. Enfin, de bouffe, enfin, de tarte ou quoi que ce soit. Mais il faut qu'on remporte un concours. Alors, je m'étais dit aussi que je voulais devenir maire. Mais visiblement, on peut pas trop. C'est mon Discord, les gens ne vont pas tout voir. Moi, je suis plutôt sur le Discord de Mister, c'est comme la suggestion. Mais en fait, Olive a déjà partagé sa construction sur mon Discord. Ah, merci pour le à boire. Pardon, j'avais pas vu. J'avais pas vu, excuse-moi. Excuse-moi, Nemesis. T'avais pas vu. D'ailleurs, quoi à toi? Hey, je vais sûrement ne pas rester longtemps car demain je me lève tôt. Pas de soucis, pas de soucis. Excuse-moi, j'ai raté ton message. Excuse-moi. Bah, pourquoi il va pas mal lui? Il est mal à l'aise. Il est nauséeux, il est malade. Mais mes Sims sont H24 malades en ce moment. Ah, attendez, à ce moment-là. Hop. Please save the game. En effet, ce n'est pas une mauvaise idée. Avec plaisir, il faut s'hydrater en été. Et, alors, en été, je sais pas trop si t'as vu l'été, toi. Mais moi, je sais pas où il est. Hein. Et coucou Raph également, comment tu vas? Secret de vampire, non. Plus de choix. Ça va être quoi? Ça va être commandé? Ouais. En été, c'est ça. Acheter des médicaments. Pauvreté 2020, tout le monde lui a casse du sucre sur le dos. Bah en même temps, on n'a pas eu le meilleur des étés. Voilà, hop, ça on va vendre. Alors déjà, tu vas prendre ton médicament. Non, pas placer dans le monde, non, 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 non. Tu vas, hop, prendre le médicament. La laine, tu vas la vendre également. Yes. Ma Sim 7, elle se porte comment? Ah, elle est encore en train... Alors, moi, ce qui m'énerve dans les Sims, c'est que je sais pas pourquoi, ils préfèrent faire une sieste sur un objet qui remonte pas les besoins, alors qu'ils ont un lit très confortable. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Ça fait une semaine que je me les caille. Bah, moi, ça va encore. Ça va, ça va. Et écoute, coucou Alicia, comment tu vas? Et bah, écoute, moi, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. J'ai un peu des courbatures partout. J'ai fait des travaux dans mon appartement. Mais ça avance. Comment tu fais pour avoir des œufs en or? Je sais pas du tout. Pour avoir des friandises en or, alors soit tu peux les crafter, mais je sais plus avec quoi. Sinon, tu peux les acheter quand il y a des concours, quand j'ai un concours de tarte, etc. Les vendeurs, ils vendent certains objets un peu rares, et notamment les friandises dorées. Perso, dans le sud, il fait pas non plus trop moche, donc ça va, mais bon. Après, Alicia, une fois que tu as une poule en or, il suffit que tu aies un œuf où tu peux le couver qui est en or, bah du coup, après, tu peux perpétuer toute une génération de poules en or. Non, mais il va pas faire. En fait, va pas faire de sieste et va dormir dans ton lit. Ah, mon Dieu.
Alors attendez, j'ai pas vu c'est quoi les nouvelles missions qu'on doit faire là. Atteindre le niveau de relation maximale avec une vache, une volaille ou un lama. Ok. Recevoir 3 cadeaux. Faut recevoir 3 cadeaux de lapin ou d'oiseau. Gagner un concours à la foire de Pinchwick. Regardez ce que je dois faire pour terminer le truc, mon dieu. Ah, la campagne est cool. Je me tâte à le prendre. Ouais, il est cool. En vrai, il est très très cool. Pareil, entre ça et se faire gazer à Lyon, j'adore. Ah bah. Mon pauvre. Ah, mais les poussins, ils ont plus de quoi manger. Faudrait que je devienne ami avec des poules. Bah, même pas. Avec le lama. Allez, go. Interaction sociale. Caresser Sims Guru. Oui, on l'a appelé Sims Guru. Je sens que le lama va me cracher dessus. Et coucou Alexia, comment tu vas? Perso, je sors pas, donc je vais pas me faire gazer dans ma ville depuis les gilets jaunes il y a genre 3-4 ans. On a eu pas un seul samedi sans manif, hormis le temps en temps pendant le confinement. Ah oui, ça arrive. Oh bah ça m'empêche pas de sortir. Mais donne à manger à ces maudites poules. Oh mon dieu. Que vous êtes pas, je pense que je vais pas refaire du gameplay sur ce jeu avant un bout de temps. Je sais pas comment vous faites pour prendre du plaisir vraiment à jouer aux Sims. C'est insupportable tous les bugs qu'il y a tout le temps. Genre vous voyez, genre j'ai prévu genre tout un, genre j'ai dit à mon Sim, bah tu fais ça ça ça, et bah le Sims il fait pas. C'est chiant quoi. Et coucou Okats, comment tu vas? Bah nous ça nous bloque tout quasi, genre parfois le métro est bloqué et les bus déviés, donc compliqué. Ouais, tu m'étonnes. Je veux réduire mon temps quotidien sur Twitch aujourd'hui. J'ai paramétré mon compte, suivi 3 lives, modéré un 4e après y avoir passé, déjà passé une bonne partie de la nuit. Je crois que j'ai un problème d'addiction. Ah oui, peut-être. Tu comprends pourquoi je joue à Overwatch? Non mais je te jure. Et là, on parie quoi? Que tout va se supprimer encore. Et forcément, le lama, il est parti dormir. Bah, tu vas réveiller le lama. Ah, j'en ai trop marre. Ah, puis le bébé, il pleure. Puis t'as Simon Scott qui se connaissent pas, il veut la draguer tout le temps, là. Oui, alors, va t'occuper du bébé. Hop, changer la couche sale. Nourrir. Hop. Par contre, on est d'accord que le gameplay avec les bébés, c'est inutile. Genre, tu passes ton temps à faire la même chose. Ça a pas de sens. Et après, tu vas retourner te coucher. Occupe-toi de ce maudit lama, là. J'en peux plus. Alors, interaction sociale, caresse. Allez, on va y arriver. Hein. Hop, demander je sais pas quoi. Faut qu'on devienne ami avec lui. Donc, autant le faire. Action. Échanger. Ah bah non, on va pas échanger. Admirer Sims Go. Je ne joue pas trop aux Sims comme ça. Moi, je les fais des Sims, des bâtiments. Il est où le lama? Le lama, il a disparu. À l'aide, le lama a disparu. Il n'y a pas des bébés ressemblent à celui du premier opus. Tu les nourris, tu les endors, ils ne servent à rien. Ouais, comme Marie-Hel en fait. C'est horrible. Personne, je ne joue pas trop aux Sims comme ça. Moi, je fais des bâtiments. Plus rarement, je joue, mais avec les vampires, sirènes, aliens. Parce que c'est un peu plus sympa. Bah, tu m'étonnes. Appeler Sims Guru. Mais il va encore retourner dormir. Non, je te laisse pas dormir. Oh, bah, c'est super long en fait à devenir ami avec eux. Est-ce que ce serait peut-être pas mieux qu'une poule? Interaction sociale. Caresser. Je pense que c'est moins risqué avec une poule qu'avec un lama. Couvrir d'amour. Hop. Interaction sociale, jouer avec la poule noire. Interaction sociale, montrer des mouvements de danse. Voilà. Lama is dead, je vous jure.
Et coucou Akawin, comment tu vas? On a des petits poussins qui brillent parce que c'est des poussins dorés. Oh, regardez, il fait un câlin à la poule. Oh, ça monte super doucement en fait. Je crois qu'il faut leur donner des friandises, je crois, pour qu'ils aillent bien. Bon, pour qu'ils soient heureux. On va dormir. Il est fatigué, mon Sips. Il va aller faire dodo. Allez hop. En vrai, les dernières missions, elles sont super dures. Hein. Recevoir 3 cadeaux de lapins ou d'oiseaux. Je suppose que pour faire ça, faut être ami avec eux. Oh mon dieu. J'en ai marre de ce bébé. Il passe son temps à pleurer. Changer la couche sale. On va le nourrir, allaiter. Dodo de l'inné et bercer. Non, je l'ai fait 2 fois. Voilà. Comme dis-moi chez toi, des news de Twitch. Non, toujours pas de nouvelles. C'est un petit personnage que tu diriges dans plusieurs mondes. Ah oui, le Astro Playboy. Il grandit quand le monde? Bah, il devrait grandir aujourd'hui ou demain. Je fais des extraits et en effet, quand il se déplace. Oh, ouais, mais oui, c'est très drôle. Pardon, parce que j'entendais un bruit bizarre. Donner une friandise. Est-ce qu'il a de la nourriture encore, ce chien? Oui, il en a. Parfait. Et bah, du coup, tu vas aller prendre ta douche. Et tu vas aller manger des restes. Disons que. J'ai passé une assez mauvaise. Ah bah, dis donc. Enlever la nourriture gâtée. J'ai l'impression que mon frigo, des fois, il marche pas quand même. Parce que. J'ai l'impression que ma nourriture, elle périme en 2 jours, quoi. Mais ouais, normalement, le bébé devrait grandir samedi, enfin demain. C'est sur le calendrier. Ah bah, je vais regarder ça. Soupe de champignons, tu vas faire une portion familiale. Hop. Ça va me trouver. Non, mais c'est ça. Je pense qu'il y a un bug. C'est pas supposé périmer aussi vite. Allez, ma Simset. On y croit. Et après, tu iras faire pipi. J'ai bugué. Oui, non, mais oui. Ah, mais ce pauvre chien, il passe son temps à pleurer. Ah, oula, j'ai un freeze là. Hop, on va faire un petit coup de sauvegarde. Le bébé peut grandir direct en cliquant sur le berceau. Ouais, mais c'est pas cool de faire ça. Ça dépend aussi de la compétence de cuisine, la qualité de la nourriture. Oui, bah. Ah, bah tiens, mon Sim vient de se lever. Simon, tu viens de te lever, parfait. Ah, il pleut. Il passe son temps à pleuvoir de toute façon sur cette map. Heureusement que j'ai une femme de ménage. Hein. Le seul truc que je fais en jeu, c'est que le bébé peut pouvoir le relooker comme ça. J'ai la contrainte du physique de base, comme IRL un peu. Ok. Moi, je me suis installé en ville pour éviter les chargements pour vendre mes fruits. En vrai, je pense que j'aurais dû faire ça. Hein. Je crois que bébé grandit quand tu deviens affilié sur Twitch. Ah, bon, on n'est pas rendu. Et coucou Adab. Ah bah j'ai pas assez pour un à boire. Salut, comment tu vas? Comment s'est passé ton week-end? Bah écoute, ça s'est très bien passé. Coucou à toi. Je vous laisse déjà, je vais aller manger. Je n'avais pas vu l'heure. Pas de soucis Silou, merci à toi d'être passé. Et puis bah bon appétit à toi. Hop. Et sinon madame, écoute, ça s'est bien passé. J'ai vu des amis samedi soir. J'ai fait des travaux dans mon appartement vendredi, samedi, dimanche. Voilà, donc j'ai des toilettes flambant neuves. Enfin, du moins une pièce avec des murs propres maintenant, avec tout repeint. Il manque plus que les étagères. À la campagne, H24 et à Soulani, il y a des orages presque tous les soirs. Les orages, j'aime bien. Alors, je trouve que le problème des orages, par contre, dans le jeu, c'est que littéralement, la foudre, elle tombe H24 sur la nourriture des poules. Est-ce que tu vas relooker le bambin? Il y a moyen. Le chien ne va pas bien. Mais ils sont quand même teubés, les Sims. Hein. Ils font des fois des actions qui n'ont aucun sens. Et genre là, la meuf, elle préfère parler aux plantes plutôt s'occuper de son chien. Demande-lui ce qui ne va pas.
Mais oui, ils sont trop cute les bambas dans les Sims. Ouais, alors ils sont trop cute, mais ils sont très relous. Avec le fait de. Comment ça s'appelle de dégueulasser toute la maison. Et bravo pour les 2700. Triste de ne pas y avoir assisté. Attends, quoi? On est 2700? Attends. À quel moment t'es 2650 il y a quelques jours? Attends, je crois que j'ai eu un follow tout à l'heure en début de soirée. Attendez, je remonte l'horizon des événements. Ah non, merde, ça s'est effacé entre temps. Si, là. On est 2663, c'est juste que Twitch a arrondi à la centaine du dessus. Et coucou à tous les enfants, ce sont des démons. C'est ça. Il faut que j'achète un deuxième écran pour pouvoir jouer en regardant tes streams. Ah bah, en vrai, un deuxième écran, ça sauve. Hein. C'est trop cool, un deuxième écran. Et là, vous voyez que la Sim 7, elle s'est pas occupée du chien ou ça se passe comment? Si on met le berceau sous l'orage, le bébé peut devenir un baby flash. Non, je pense pas que ça marche comme ça. Malheureusement. Ok. Comment il va, mon Sims? Il va bien. Je pense qu'il y a peut-être les services sociaux qui débarquent. Il y a Twitch sur PC. Bah oui, pourquoi? Bien entendu, tu vas sur le site de Twitch. Tu vas refaire un festival? Bah oui, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, faut que je gagne un concours. C'est dans les règles, de toute manière. Et en plus de ça, c'est carrément dans les contre, dans la nouvelle aspiration. Donc faut que je le fasse. Je savais pas. Bah, c'est quand même. C'est bien plus agréable d'ailleurs de regarder un stream sur ordinateur. D'ailleurs, pour info, alors je vous le redis souvent, mais là, je vous le redis, que ce soit pour mon stream ou pour d'autres streams, si jamais vous voulez faire des vous sub à la chaîne, que ce soit sur la main ou quelqu'un d'autre, hein, il faut tout le temps prendre vos subs sur ordinateur. Ça coûte moins cher que sur téléphone ou sur tablette. Et en plus de ça, nous, en tant que streamer, on ne perçoit pas la différence de prix. Le bébé est en train de pleurer et personne ne s'en occupe, quoi. Ah si. Alors, tu vas faire nourrir au biberon. Ranger la couche sale. Dodoliner. Et bercer. Voilà. Toi, du coup, comme tu sers à rien, tu vas t'occuper des poules. Hop, tu vas ramasser les œufs. Tu vas nettoyer le poulailler. Tu vas disperser de la nourriture. Et tu vas t'occuper du lama. Donc, tu vas le laver, le nourrir et le tondre. Hop. Coucou tout le monde. T'as mis l'objet maudit dans ta partie? Quelle horreur. Comment ça j'ai mis l'objet maudit? C'est quoi l'objet maudit? De quoi parles-tu? Et coucou Snoopy, comment tu vas? Du coup. Pas besoin d'installer, tu ouvres Google et tu tapes Twitch. Ah oui, il y a aussi une application Twitch qui existe sur ordinateur. Envoyer le poussin mâle au poulailler, non. Ici, on a déjà tout qui est fait. On a quand même 43 000 simflouz. Hein. On va encore pouvoir mettre 100 000. Non, avant, on faisait 10 000 par journée de live. Là, on va faire quoi? On va faire 100 000 à force? Là, j'ai mes sims d'ouvert et je n'ai pas fini le relooking. Donc, je vais éviter de quitter parce que sinon, je pourrais pas sauvegarder. Ah oui. Je vais faire un petit coup de sauvegarde d'ailleurs en parlant de ça. Tu parles du bébé quand tu dis l'objet maudit. Ah, pardon, j'avais pas compris. Il faut dire quand vous faites des blagues, hein, parce que des fois, on comprend pas sur le chat. Ok, alors mon Sims, il fait le ménage. Ok. La poule, elle est là. Elle a faim. Elle est malheureuse, la pauvre. Nourrir la poule. Est-ce que tu peux également interaction sociale? Allez, hop, occupe-toi de la poule. Oh, elle est pas contente de la poule. Je te foutrai à l'abattoir. Voilà.
Ma phobie, je ne vais jamais, jamais faire manger le bambin au, attends, au canapé. Ah oui. J'avoue, mes bambins, ils mangent où ils veulent. Genre, ah oui, bah, moi, dans les films, ne vous inquiétez pas, il va manger par terre, hein, le bambin. Clairement. Franchement, les poules sont vraiment les animaux le mieux faits de tout le jeu, je pense. Ah, peut-être. Moi, j'ai dû supprimer tous mes CC et les remettre. Alors, c'est possible, ouais, en effet, des fois, dans les Sims, quand ça bug trop, il faut... il faut en effet... comment dire les enlever, enfin, tout réinstaller, parce qu'il y a pas eu, faut faire la mise à jour. Ta Sims ne s'est pas occupée des animaux, si jamais. Et là, oh, mon Dieu, j'en ai marre. Bah, elle est où, ma Sims? Elle est buggée. Regardez ma Sims qui est buggée. Regardez, regardez comment je vais... Comment vous voulez que je m'énerve pas quand je joue aux Sims, là? Ramasser les œufs, nettoyer le poulailler, nettoyer l'abri et appeler Sims Guru. Et merci, Mystis, ouais. Oh là là. Moi aussi, il bug. Je dois tout le temps les reset. Non, mais... Genre, moi j'essaie de faire des efforts et tout, et genre, chaque fois c'est full bugué comme jeu. Hop. Il n'a pas été dormir quoi. Va pisser, va te doucher. Après, nous faut qu'on aille au concours. Et si on va au concours, faut que mon Sims il soit en bon état. Ouais, mise à jour, c'est relou. Faut aller sur le jeu, aller dans options et quitter, puis relancer. Genre, relou le... Ah ouais? C'est bizarre. Alors, attendez, plus de choix. Ouvrir. On va aller récupérer tous les fruits. Et vous savez quoi? On va concourir avec tous mes fruits. Voilà. Ça permet dans combien de temps? Dans 6 jours. Et dans 6 jours. Bah, parfait. Et coucou Julie, première fois que je viens le soir. Bah le soir on est sur un gameplay un peu plus différent puisqu'on fait du... On fait du gameplay pour le coup. Et moi qui suis vraiment pas doué à m'occuper de mes Sims dans les Sims 4. Parce que je trouve que c'est très mal foutu. Est-ce qu'il y a une poule qui s'est fait foudroyer? Non. Ah ma Sim 7 elle est malade. Non? Ah non, j'ai cru. Et coucou Aliline. La même que Julie. Et il y a le bébé qui pleure pour la 12 millionième fois. Alors, changer la couche sale. Donner de nourrir au biberon. Et bercer. Ah, pleure, tu pisseras moins le bébé. Voilà. Au moins, je dois attendre environ 5 à 10 minutes entre chaque grosse mise à jour, puis ensuite je remets mes CC, puis après je peux enfin jouer. Ah ouais? C'est super bizarre. Tu as des nouvelles de la puberté de ton bébé? Ah, j'ai pas vu, ouais, quand est-ce qu'il grandit? Ouais, what? Attendez, mon bébé il grandit jeudi prochain. Après, je suis en espérance de vie longue. Rien à faire, après le concours, il grandit le bébé. Il est énervé. Pulsion de ménage. Continue à faire du ménage en ayant déjà une pulsion. Fais apaiser le bébé s'il a mangé et qu'il est propre. Il peur s'il a de l'orage. Oui, bah moi j'y peux rien s'il y a de l'orage. Le bébé manque d'hormones de croissance. Bah en fait, c'est comme je suis en espérance de vie longue. Je pense que c'est pour ça. Ah, il se roule dans l'eau. Quel horrible chien. Hop. Et le souris me fait peur. Non, mais c'est cool. J'en ai marre. Vie longue, c'est pas 3 jours. Ouais, je suis en vie longue, c'est pour ça. Ah oui, j'ai vu que tu es en vie longue purée de base. C'est 2 jours espérance de vie normale. Ah ouais. Attends, il n'est pas supposé y avoir le concours là? Moi je vous laisse, mais ça me donne envie de jouer. Pas de soucis, Olive. Merci de t'être passé. Festival de neige.
Ah, c'est à 15h30. Ah, bah là. Faut que j'aille à la foire. Je vais y aller tout seul. C'est bien, mon Sims, il va mourir de faim. Bon, on a deux pastèques et une citrouille à faire participer. Est-ce que j'ai un modo de dispo pour faire une prédiction? Et coucou, ton chien a besoin d'un bain, je pense. Ouais, je sais, Natura, coucou à toi. Mais là, on va aller... Lève-toi. Hop. Est-ce que tu peux faire une prédiction pour savoir si je vais gagner enfin un concours ou pas? J'ai une question pour tout le monde. Est-ce que Escapade enneigée vaut vraiment le coup? J'hésite. Bah, ça dépend comment tu aimes jouer. En construction, il est très bon, Escapade enneigée. Je vais laisser mon collection changer, pas de soucis, Alex. Escapade enneigée, il est très bon. La ville est très jolie. Genre, si tu aimes tout ce qui est un peu asiatique, japonais, coréen. Franchement, ce pack est vraiment cool. Si tu aimes les sports d'hiver aussi. Voilà. Après, si tu aimes pas ce genre de choses. J'aime les deux, gameplay et construction. Bah, c'est un très bon pack. Pour moi, c'est un très bon pack. Alors, nous sommes sur l'écran de chargement le plus intéressant de EA. On adore quand en plus ça, le prisme est buggé. On va y arriver. Hein. Je sais pas quand, mais on va y arriver. Alors... Du coup, est-ce que vous pensez que je vais enfin gagner le concours ou pas? En vrai, là, j'ai 3 fruits parfaits et les plus gros possibles. Donc, normalement, c'est quoi le truc des prédictions? En gros, avec tes points de chaîne, tu peux miser sur la réponse que oui ou non. Est-ce que je vais... Par exemple, si tu penses que je vais gagner le concours, tu peux miser l'argent virtuel que tu gagnes sur ma chaîne quand tu es sur mes streams. Et en fait, si par exemple, tu remportes, par exemple, si j'ai n'importe quoi, si tu as dit que bah, j'allais perdre le concours et que, bah, en effet, je le perds, et bah, à ce moment-là, tu remportes un pourcentage de la mise de ceux qui ont dit oui. Tout simplement. Je vois que les gens ne sont pas trop en faveur. Genre, Leps qui a mis 81 000 points pour le non. Très bon pack pour les deux côtés construction, tu vas avoir des objets vraiment beaux et très esthétiques, parfait pour faire des intérieurs épurés type asiatique, gameplay, pas mal de festivals ou de fêtes qui vont vivre la ville. Pardon. Et plein d'activités à découvrir, c'est cool ça. Et alors d'ailleurs, cela on arrive un petit peu quand même entre guillemets à la fin du Rack Street Challenge. Je vais pas tarder à reprendre les lives sur Animal Crossing le soir. Je sais pas en ce moment ce qui m'arrive, j'ai envie d'y jouer. Là j'ai repris ma partie solo sur ma Switch à moi et je vais possiblement je pense pas la semaine prochaine mais cette semaine mais la semaine d'après possiblement reprendre les lives sur Animal Crossing. Et coucou Sway, comment tu vas? Allez, je crois en toi, c'est gentil. Moins 40 000 pour moi, ne me déçois pas. J'ai voté mes pauvres et derniers 750 Sichi. Bah peut-être que tu vas remporter un petit morceau de mise. On croit en toi. Bah déjà, moi, je crois en ce que le chargement soit interminable. Mais ouais. Mais ouais, comme je vous disais, du coup, bah, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, on commencera du coup les lives sur Animal Crossing. Après, à voir si je trouve du travail ou pas, parce qu'aujourd'hui, j'ai postulé à 8 annonces de job. Alors, c'est pas dans ma branche. J'ai postulé à des annonces pour être vendeur en boutique ou des trucs du genre. Parce que clairement, dans l'infographie, il n'y a rien, c'est bouché, c'est super mal payé. Donc là, je me suis lancé dans des trucs de vente, gérer une boutique, des trucs comme ça. J'ai postulé à 8 annonces aujourd'hui. Qui dataient tous de ce week-end. Donc voilà, ça se trouve, j'aurai peut-être du travail dans 2 semaines, je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant. Voilà. Des fois, je m'endors pendant les chargements de déplacement. Mais c'est si long. Proposer une participation. Il faut un fruit ou un légume ou une fleur ou une herbe. Voilà. Mon Sims, tu avais les fruits dans ton inventaire. Ah, attends. Sinon, on a besoin d'un fruit, d'un légume, d'une fleur, d'une herbe. Ah, mais j'ai des fruits de tête de... Oh, allez, je vais m'énerver, là. J'ai mal entendu, serait-ce un vendeur ou une gestion de boutique? C'est ça. Ce serait vendeur... les deux. Des fois, il y avait des trucs, c'était les deux. Attendez, mes fruits sont pas considérés... Mes légumes ne sont pas considérés comme... Mais c'est une blague. Genre, c'était une grosse blague.
Genre. Bah non, en fait. T'as pris du géant. Bah oui, bah je sais, c'est un concours de fruits géants. De légumes géants. Après, c'est peut-être là qu'il faut le mettre. Et ici, c'est le truc de la tarte. Vérifie qu'il s'agit bien de la foire aux légumes géants. Je rigole, trop, c'est pas la foire aux légumes, de légumes géants. Mm-hmm. Concours de plantes. Oh, ça, c'est pas les trucs de... Ah, mais non, c'est pas ceux des légumes géants. Ah, merde. Ah. Ah, mais j'ai cru, moi. Ah, merde, je me suis fail. Non, vous êtes pas obligé. Non, je vais annuler le... Je vais annuler le... La prédiction. Ah, le boulet. J'ai été persuadé que c'était la foire des légumes géants. C'était un fail. Ah non. Ah, désolé. Désolé, désolé, désolé. Oh, je suis vraiment teubé, moi. Ah bah bravo. Attendez, je vais annuler la prédiction. Comme ça, vous avez tous récupéré vos points. Oh, puis il y a un petit coup de lag, c'est normal. Enfin, c'est pas normal, mais c'est mon PC. Hop. Ah non. J'étais persuadé. Alors, si je fais supprimer normalement. Sélectionner, supprimer, rendre les points, restituera les 189 000 points aux chaînes de chaînes aux spectateurs. Oui, supprimer et rendre les points. Et je vois personne qui a bien prédit. Oui, bah non, parce que du coup, non. C'est bon, j'ai supprimé et c'est bon. Excusez-moi, bah du coup, on s'est fail. Sachant que je n'ai pas de tarte, j'ai rien, donc. Donc, bah tant pis. En plus, là, j'aurais peut-être pu cuisiner une tarte. Ah, attendez. Oula. Excusez-moi, il y a un gros coup de lag. C'est bon, ça va mieux. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je fasse une tarte avec ce que j'ai ici? Je me suis fait avoir aussi. Alors, attendez. Pourquoi mon Sims ne peut pas utiliser les trucs? Je crois que mon jeu des Sims est totalement buggé. Ah, attendez, parce que je crois que tout est en train de crasher. tout est en dans le décès. Ah voilà, ça y est. C'est revenu. Excusez-moi, ça a grave buggé. C'est quoi Blue Screen? Non, c'est bon, je suis revenu normalement. Je pense. Sauvegarde peut-être avant d'enlever ce bug, ouais. Normalement, ma caméra est revenue. Normalement. J'avoue, j'ai eu un gros coup de freeze. Je sais pas ce qui se passe. Bah, hé, mon PC, là. Excusez-moi. Là, c'est revenu à la normale. C'est bon. Je sais pas ce qui s'est passé. Et oui, changer les couleurs, c'est pour les LED derrière moi. Et oui, Olivia, pour le avoir. Pardon. Oui, tu es là. C'est bon. J'ai cru que j'ai failli faire un blue screen, je pense. Faut que je regarde mon PC, ce qui lui arrive, là. De toute façon, là, je vous l'ai dit, hein, les prochains achats que je vais faire pour mon ordinateur, ça va être d'acheter un nouvel ordi. Enfin, pour les streams, ça sera m'acheter un nouvel ordi. Et re-6L. Tout va bien, le gars vient de littéralement traverser un mur. Tout va bien. Alors, est-ce que je vais pouvoir peut-être participer à un concours au final? On va essayer de faire une tarte. On va essayer, attendez. Est-ce qu'on peut en faire une au moins? Gâteau d'hiver, non. Ramen, non. Tarte à la myrtille. J'ai pas de myrtille sur moi, merde. Attendez, on va essayer de faire une tarte à la citrouille. Tarte au chocolat, non. Tarte à la viande, non plus. Tarte à la citrouille. Allez, vous savez quoi? On va essayer de faire une tarte à la citrouille, on va essayer. La réponse juste sera la bienvenue aussi, c'est ça, ouais. Tu penses partir sur un fixe ou un PC? Ah non, on va partir sur un fixe.
Alors, Leps, est-ce que tu peux refaire l'annonce, une prédiction, pour savoir si je vais remporter le concours avec ma tarte de citrouille? Alors déjà, on va voir la gueule de la préparation aussi. Allez, mon Sims, on y croit. On peut connaître ton niveau en cuisine. Je crois que mon Sims est de niveau 10. Celle-là, je crois. Ouais, je suis niveau 10, toi. Alors, par contre, tu ne la manges pas. Hein. J'ai quand même gaspillé une... Oh, elle est excellente, mais elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite, donc je ne vais pas gagner. Mais ouais, je suis niveau 10, du coup. C'est de mon côté ou ça lag beaucoup ce soir? Là, normalement, c'est revenu. Ça a lagué tout à l'heure, en effet. Je ne sais pas si c'est passé. Mais là, c'est bon. Proposer une participation. Son Sims est niveau 10 en cuisine et Mr. C est au niveau moins 8. Ah oui, mais moi, clairement, oui. Je donne une note à cette pâtisserie. Elle ne respecte pas les critères d'être une... Quoi? Pour être une tarte. Je vais te foutre une tarte dans ta tronche et tu vas voir ce que c'est qu'une tarte. Si tu gagnes les oui, on se fait un beau pactole. Ah oui. Après, je peux corrompre la juge. Hein. Par contre, est-ce que le jeu peut arrêter de bugger comme ça? Regardez, mon Sims, il bug, là. Ah, ça y est, il l'a enfin mise. Il aurait mis 10 minutes, quand même, à la mettre. Est-ce qu'on peut tricher et, genre, manger la tarte de l'autre? Elle est de qualité normale. Ah, j'aurais su. Mais en plus, j'ai plein de fruits parfaits. Moi, je suis trop con. Pourquoi je les ai vendus? J'aurais trop pas dû les vendre, en fait. Redémarre le jeu. Oh, bah alors là, mon pauvre, si je redémarre le jeu maintenant, comment te dire que ça va mettre un temps fou avant de se relancer? Et coucou, Lika. Comment tu vas? Je sais que pour la plebs, ça représente beaucoup de théories, plebs. J'avoue, mais j'ai des petits freezes sur mon stream, là. Je le vois, même moi, je le vois. J'essaierai de voir ça, mais c'est trop bizarre. En même temps, j'ai pas allumé mon PC. Enfin, j'ai pas éteint mon PC de tout le week-end. Donc, c'est peut-être ça aussi. Bon, du moment que c'est juste tout petit... Ça va bien, je galère à attraper les épisodes de retard. Aïe. Je peux comprendre. Bon, mon Sim, j'aimerais qu'il ne meure pas. Pareil, mon PC fait tourner les Sims en boucle jour et nuit depuis 3 jours environ. Non, c'est que tout à l'heure, j'ai fait des trucs sur Illustrator, enfin... Bref, je pense que je l'ai trop fait tourner, et du coup il est un peu en PLS, faut que je le redémarre. Et j'ai peut-être pas fait une mise à jour d'NVIDIA. Généralement, quand je fais pas la mise à jour d'NVIDIA, mon stream lag de ouf. Et je pense que c'est ça aussi. Allez, faut attendre 22h pour la réponse du concours. Du coup, il y a 130 000 points qui ont été pour non, 74 000 pour oui. Ah, ça y est, on va pas tarder à voir les résultats. Vous allez voir que je vais encore... Il y a que deux participations, vous allez voir, je vais arriver quatrième. Vous avez combien d'heures de jeu? Oula, bah je sais plus, je crois que j'en ai plus de 1000 heures, facile. On y croit. Bah j'essaie de gagner un concours sans tricher, genre sans soudoyer la mère. Mais si ça continue, je vais la soudoyer. Par contre, ça serait bien qu'on se dépêche parce que sinon mon Smith il va mourir là. Bah oui, t'es mal à l'aise, bah oui, forcément. Discuter avec Stéphanie. Bah, discute avec Stéphanie, mais... Oh, ça met un temps fou. Uh-huh.
dans la bibliothèque de jeux sur Régine. Bah, c'est pas compliqué, tu fais 5414 divisé par 24 sur une calculatrice. Alors, je crois que... bah, j'ai pas gagné. Alors, ce mot n'a pas été de la tarte. Votre tarte n'a pas gagné cette fois-ci. Veuillez accepter un prix de participation. Je suis même pas arrivé, genre premier, deuxième, troisième. Genre, j'ai même pas été sélectionné. Oh là là. Bon, bah écoutez, c'est le nain qui le remporte. C'est le nain qui le remporte. Joie et volupté. J'ai encore perdu. Non. Ah bah si. Si, 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 si. T'es saoulé. Encore une prédiction, Magouille. Et moi, j'ai rien fait. Coup dur, bah, coup dur, coup dur. Ah, attendez, je vais devoir en plus changer de fenêtre pour dire que la prédiction, bah, c'est les noms qui ont gagné. Les optimistes ont perdu. En fait, à chaque fois, quand je fais un concours, dites non. Hein. Choisir le résultat de la prédiction. Choisir la réponse. Non, il reste un noob. Bah voilà, c'est je reste un noob qui a gagné. Hop. Voilà, terminé la prédiction. J'entends un chat dans l'oreillette de Lev, c'est ça. Bon bah voilà, désolé pour ceux qui avaient misé sur moi. Malheureusement, je n'ai... Voilà. Plus 500, 156 000. Lev, par curiosité, tu as combien de points de chaîne? J'ai jamais gagné une seule prédiction sur cette chaîne. Vous êtes un escroc, monsieur C. Bah nous. Ah ouais. Yes, 1300 de misé, j'ai gagné 2040. Bah c'est ça en fait, tu gagnes comment dire. T'as un pourcentage par rapport à ce que tu gagnes par rapport à ce que t'as misé. Mais en fait, faut s'en prendre à Leps, hein. C'est lui qui doit truquer mon jeu en fait. Je pense que c'est ça. Il a truqué mon jeu pour qu'il gagne à chaque fois. J'attends que tu aies ça en version euro. Ah oui, c'est d'ailleurs. Je sais pas, pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez que j'en ai parlé. Je me suis précommandé les Funko Pop Harry Potter. Vous savez qu'il y en a plein qui ont été annoncés, là. Et je les précommande, moi, sur deux sites. Oula, le lag, oulala. Voilà. Je les précommande sur deux sites. Donc, un site qui est Pop in a Box et l'autre qui est Pop Culture. Il faut savoir que j'étais persuadé qu'il y avait trois pop qui n'étaient pas encore mis en... Enfin, quatre pop, pour être exact. Ils n'étaient pas encore mis en vente. Or, que nenni. C'est juste que j'ai mal regardé sur mon site australien. Et bah me voilà à acheter 3 ou 4 pop, je sais plus combien j'en ai acheté, sur le site australien, les précommander. Du coup, elles vont m'être livrées entre novembre et décembre. Sauf que le site australien, quand tu précommandes, tu payes tout de suite. Alors que mon site Pop in a Box, par exemple, quand vous précommandez une Funko Pop, vous n'êtes pas débité à l'instant, vous êtes juste débité au moment de l'envoi. Ce qui est plus pratique. Bah, du coup, j'ai dû débourser 100 balles. Donc voilà, déjà je fais ça, bon, déjà que j'étais un peu en fin de mois compliqué, j'allais être dans le rouge. Et là, je reçois un mail de Pop in a Box. J'ai également précommandé, oui, le 26 août, pour être exact, le 26 août, j'ai précommandé mon calendrier de l'Avent pour Noël. Donc oui, j'étais un petit peu en avance. J'ai commandé du coup le 26 août mon calendrier de l'Avent Funko Pop, qui devait normalement sortir en novembre. Devinez qui a réussi à avoir un exemplaire le jour de la sortie officielle, ce qui n'arrive jamais. Et du coup, j'ai été débité le même jour que les 4 autres pop que j'ai achetés. C'est Bibi. Je vais manger des pâtes pendant 3 jours, le temps d'avoir ma paye. Quand j'ai vu ça, j'étais dégoûté. Un petit peu en avance. Même si on est... Mais c'est ça. Mais déjà, je pensais même pas avoir mon calendrier de l'Avent Funko Pop là. D'habitude, il sort en novembre, tu l'as novembre, et des fois, tu l'as malheureusement en début décembre. Là, clairement, je sais pas comment c'est possible. Hein. Je l'ai eu là, direct. Vous savez quoi, on va faire on va utiliser les pastèques pour faire de la nourriture. Je replanterai des légumes géants. Eh, pâtes à toutes les sauces, c'est ça, ouais. C'est bon la poussière, c'est ça. T'as commandé quoi comme calendrier? J'ai calendrier le calendrier de Funko Pop de Harry Potter. Voilà. Tout simplement. Donc en fait, c'est des mini Funko Pop. Et que du coup, je vais les... Bah du coup, ils sont dans un calendrier.
Je sais pas comment dire, enfin comment expliquer ça d'autre, mais... Le banquier de mes sorciers a quitté le chat, c'est ça. Nous, on avait, on va au petit casino prendre les calendriers Kinder le 30 novembre, bah ouais. Prendre une portion. Elle est blasée, ma Sim 7. Normalement, ça fait longtemps qu'elle n'est pas sortie de ma maison. Et puis, bon, ça va, il nous reste encore 1h30 de stream. Mais ils sont endormis par terre, cet abruti. Non, 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 mais réveille-toi. Et va manger, en fait. Tu manges. Et après, tu vas dormir. Pire, tu iras te doucher après, c'est pas grave. Allez, le Sims, on y croit. La maison a bien avancé. Ouais, une bonne soirée à vous. Je code. Pas de soucis, Olivia. Merci de t'être passé. Bonne nuit à toi. Allez, dépêche le Sims. Voilà, c'est bien. Ma Sim 7, elle va comment? Ok, elle a juste besoin de se doucher. C'est quoi le but du challenge? Devenir riche, avoir notre maison à 100% et terminer l'aspiration qui vient avec le pack à la ferme. Mais pourquoi il s'est réveillé, cet abruti? Non mais il dort dans la baignoire. Non mais il va décéder en faisant ça. Hein. J'en peux plus de ce jeu. Ah mais il faut s'occuper du bébé. D'ailleurs attendez, le bébé on va le faire grandir maintenant. Ah c'est bientôt l'anniversaire de Samuel. Oui ils m'ont dit ça la dernière fois. Simère c'est dans 6 jours. Par contre, point intéressant, nous sommes en automne. Meilleure saison dans les Sims, ou dans tous les jeux, même dans la vraie vie. Ah, mais le chien, il est sale. Oui, oui, le chien, oui. On adore le chien qui traverse le mur. Donner un bain. Voilà. Et après, ma Sim 7, tu vas aller... Non. Il pleure encore, ce maudit môme? Vu qu'ils ne t'écoutent pas, non mais c'est ça. Ils sont en autonomie. Oui, ils sont en autonomie totale en plus. Hein. Tu mets plus d'argent dans le coffre. Bah en fait, j'ai déjà accompli l'objectif de mettre 100 000 Simflouz. Oula. Oh. J'ai des méga frises. Mais what the fuck? J'ai mon jeu qui fait littéralement laguer mon stream. Parce que mon jeu a lagué. Et ça a fait laguer mon stream. Genre, excusez-moi. C'est trop bizarre. Ça veut pas arrêter de pleurer les bébés, non mais parce que... ouais, je fais un coup de sauvegarde. Please save the game. C'est quand même super chelou. On va se prendre un blue screen sans rien comprendre. Ouais, je suis désolé. Désolé, hein. J'espère que c'est pas trop dérangeant pour vous, que ça coupe pas trop quand même. Je le vois hein, quand ça coupe en plus. T'es trop drôle. On te sent vachement dépassé par ta famille de Sims ce soir. Non mais je vous jure. Moi, les gens qui font des challenges sans bébé, je sais pas comment vous faites. Pourquoi tu mets pas d'autonomie du Sims que tu t'occupes? Mais si, si, mes Sims sont en autonomie totale. Hein. Ils se laissent mourir, littéralement. Regardez. Option du jeu. Je trouve que ça va niveau lag. Ouais, bah ouais, je suis désolé. D'habitude, ça le fait pas. Gameplay. Regarde, autonomie totale. Donc, ouais. Je sais pas pourquoi ça fonctionne. Enfin, genre, ils s'occupent pas d'eux, ils se laissent mourir. Gora, Gora. Allez, dépêche, va pisser sur cette pisser dessus. Comment on fait? On est dingue. On est des dingues, enfin, non, mais c'est ça. Va, on parlait quoi qu'elle va se pisser dessus avant d'arriver Oh, quoique, peut-être pas. Aucune autonomie pour les Sims sélectionnés comme celle des... Oui, mais aucune autonomie. Ouais, mais non, parce que du coup, après, ils vont se laisser crever. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais regarde cette gourdasse. Non, mais elle préfère aller... Oh, les toilettes se sont cassées, on sait pas trop comment.
Et bonsoir Voyelle, comment tu vas? Je vous jure, bah, j'en débarre de faire du gameplay, mon dieu. Puis, yes, non, mais ça c'est bugué. Simon Scott, il la drague tout le temps. Sauf qu'elle connaît pas Simon Scott. On s'est jamais parlé. Je ne fais que passer parce que j'ai une mauvaise connexion. Il n'y a pas de souci, Voyelle. Je crois que ce soir, Twitch ne propose pas la qualité. En effet, ce soir, Twitch ne propose pas la qualité. Vous savez quoi, ma Sim7 là? Tu vas. Hop. Il vient de quel pack ce bureau? Le quoi? Le bureau qui est là? Ici? Ce bureau là, il vient avec le jeu de base. Celui-là, c'est le jeu de base, celui qui est là. Ok, bon, ma Sim7 elle est là. Tu vas. Oh! Pourquoi ils sont revenus tout plantés là? Pourquoi ils sont revenus dans le sol? Je vais péter un câble là. Hein. Je vais. Mais pourquoi toutes mes plantations sont rentrées dans le sol? Elles sont dans le. Ça m'énerve. Tu sais quoi? Tu vas remplir la mangeoire et tu vas t'occuper des animaux parce qu'ils vont mourir au bout d'un moment. Ramasser les œufs. Ça sent que je suis un peu dépassé là par les événements. Je t'en veux. Non mais je vous jure. Là. Et moi heureusement que je suis sur la télé car sur mon portable Simon est encore au pub. Ah carrément. Voilà. Simon, t'es où? Qu'est-ce que tu fais dehors? T'es mal à l'aise parce que c'est sale. À ce moment-là, si c'est sale, mon gars, bah tu nettoies. Tu vas jeter, toi, tu vas t'occuper du lama, tu vas le tondre, tu vas nourrir et tu vas le laver. Ah, le berceau, il vient avec... Je crois que c'est le berceau de monde magique, si je dis pas de bêtises. Ouais. Je crois qu'on va passer sur de la construction avant la fin. Mais de toute façon, je vais construire après, là. Mais, regarde, leurs actions, c'est encore annulé. Oh, on a plus de thunes pour... Enfin, on a plus de thunes. Je sais pas pourquoi les plantes, elles sont revenues en terre. Genre, ça a pas de sens. Je vais pleurer. Il me faut vraiment tellement monde magique, mais j'hésite à l'acheter. Je pense qu'il faut attendre d'avoir un nouveau PC. Monde magique, il est pas mal, mais il faut pas s'attendre à un pack de ouf quand même. Hein. Vous savez quoi? On a 43 000 simflouz. Est là. Il me reste encore une heure de stream. Je vous propose de faire de la construction. Je vous propose qu'on fasse ça. C'est des bugs avec les saisons. Oh bah génial. Je tombe de sommeil, alors je vous laisse ici. Bonne soirée et bonne fin de live. Pas de soucis, Mystis, merci à toi d'être passé. Alors attendez, je reviens. C'est quand même un petit à 20 euros, c'est normal, il faut que le monde magique ait les saisons, je pense, en priorité. Bah, faut vraiment saison en priorité. Clairement, ah, attendez, hop, petit coup d'échappe, et là, c'est bon. Alors, il serait peut-être temps qu'on termine cette maison, quand même. Hop là. Oui, ça c'est bon, j'ai lu. J'ai changé de box internet et depuis que j'ai la fibre, j'ai un réseau encore plus merdique qu'avant. Le stream n'arrête pas de bugger. Alors, MCAPS, pour info, c'est mon stream qui bug un peu ce soir aussi. Après, essaye de faire un speed test sur internet pour voir ce qu'il en est. Si t'es en wifi, c'est peut-être que t'es trop loin de la box. C'est pas normal. Et coucou Marion. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu, c'est vrai. Comment tu vas? Vas-tu faire d'autres enfants? Non, je pense pas. non, clairement pas. Il n'y aura qu'un seul enfant. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, alors, on va faire notre bibliothèque ici. Je vais très bien, toi. Bah écoute, ça va. Ça va, ça va. On galère un peu ce soir. Donc là, j'en ai eu marre, du coup, on fait de la construction. On va continuer la maison. On a 43 000 simflouz. Tu avais prévu 3 chambres d'enfants. Oui, bah écoute, on peut dire qu'Audrey était traumatisée par son accouchement et que du coup, elle ne veut plus jamais avoir d'enfants.
Après, à mon avis, il y a une des chambres, je vais la donner. Je vais prendre un majordome. Je pense que ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être cool. Attendez, on va changer la lumière. Non, on va changer la lumière. Pour l'instant, on va mettre celle-ci. Voilà, histoire qu'on y voit mieux. On va rajouter des petits pylônes. Du coup, t'attends qu'il grandisse tout seul le bébé. Non, en fait, là, je construis. Et juste après qu'on a terminé de construire, je fais grandir le bébé. Je t'avoue sur Twitter, pour plus rien louper. Ah, bah oui. C'est pas une mauvaise idée. Après, si vous voulez rien louper de mes lives, vous avez juste à me rejoindre sur mon Discord. Sur le Discord, vous avez, je mets très rarement des arrobas. Les seules fois où je mets un arrobas, pardon, c'est dès qu'il y a un live. Et c'est tout. Rangement. Je pense que streamer du gameplay ne plaît pas à ton logiciel, ou je ne sais quoi. Mais clairement, faire du gameplay, mon ordinateur aime pas ça. Parce que là, vous voyez, je construis, ça lag plus. Après, je joue, mais c'est Enkford Umbagli qui lag de ouf, j'ai remarqué. Enfin, Umbagli, je sais pas comment vous l'appelez, vous. Je vais mettre celle. J'adore ces bibliothèques-là. Elles coûtent extrêmement cher, mais elles sont si belles. Hop, on va mettre un tapis. On va changer, à mon avis, l'ordinateur. Yes. Décoration. Et coucou, Matofu, comment tu vas? Moi, ça va bien. J'ai fini ton challenge. 4 enfants, un chien, 2 poules en or, amis avec la dentelle. J'en ai chié. La maison que je vais partager pour le challenge construction est justement la maison que je suis. Ah ouais, bah félicitations. C'est trop bien. C'est possible puisque le quartier sont plus grands que les autres maps. Je pense que c'est ça. Ouais. Je vois que ça en vrai. Alors, non, je veux le tapis. On pourrait mettre le nouveau tapis qui vient avec la nouvelle extension. Petit coup d'échappe, voilà, ça ira mieux. Attendez, il est orange plus haut le tapis, il est là. Alors, est-ce que si je le mets en blanc ou en rayé comme ça? Non, on va pas mettre celui-là, on va plutôt mettre celui-là. Bah, celui-là, il est trop beau, on le met en bleu. Ça peut être très cool. Ça peut être très très cool. Ici, j'aurais bien mis des bibliothèques également, mais... si je fais ça... Ah, attendez, la cheminée, si je la décale avec le mode tool, ça donne quoi? Watch me et utiliser tout mon argent avec pas grand chose. Mais j'aime bien. c'est possible puisque le gars, ça c'est bon, j'ai lu. Je me remets pas. Soit 96 chi avec ça, je vais mort, je vais en pleurer. Ah bah oui, mesdames, fallait bien miser. Courage, j'en ai perdu 40 000. Tu vas te relever, t'en remettre. Chaf. J'aimerais la plante. Elle est où cette plante déjà? Là. Décoration d'intérieur. On va la mettre là. Tu vas faire une visite des maisons de ton challenge Ferme en ruine? Oui, dès le lendemain. Le challenge se termine du coup mardi soir. Et bah sachez que le live de mercredi dans la journée sera consacré à la visite des maisons. Alors je sais pas si je vais faire ça pendant tout le live. Je sais pas encore. Ça, par contre, ça reste à déterminer. Mince, c'est ma première rentrée. Ah, bah après, de toute façon, il y aura les rediffs, hein, donc vous inquiétez pas.
Ah, 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 je vais devoir casser le mur temporairement. Le temps que je puisse mettre le cadre comme je veux. C'est, ça, c'est juste temporaire. Je mettrais bien ce cadre-là. Avec ça. Genre comme ça. Yes, ça peut être cool. Par contre, je viens de voir que techniquement, ma cheminée, il faut encore que je l'avance un peu. Alors, peut-être pas autant. Ou quoi que si. Ah non, toujours pas, il faut que je l'avance encore un peu. Ah là, on est bon. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, je vous jure. Du coup, le tapis, on va le décaler. Hop, toi, viens là. Toi, avance-toi. Ah, mais du coup, j'ai un problème avec ma... Ah non! Je me suis fail, du coup. En fait, je suis un peu teubé. Moi, j'aurais pu la mettre comme ça. Hé! Hey, reviens là. Ah! Par contre, ces trucs aimantés, c'est insupportable. Voilà. Et là, toi, je peux te remettre correctement. Voilà. Yes, je vais pouvoir reconstruire mon mur. Tu as eu combien de participations? Je sais pas, j'ai même pas regardé. Attendez, on va regarder juste après. Je retrace mon mur et je vous dis ça tout de suite. Hop, je fais un petit coup de sauvegarde, je vous dis ça. Je vais regarder. C'est parfait mercredi soir. Ah, c'est pas mercredi soir, hein, ce sera mercredi dans la journée. Je devrais me coucher tôt pour rentrer. Et je sais que je ne le ferai pas, donc je pourrais sûrement voir ton live. En fait, je ne streamerai pas mercredi soir, c'est mercredi dans la journée. La main n'est pas encore en ligne, je profite l'extérieur. Okay. Après, je me doute que là, d'ici cette semaine, je pense qu'il y aura moins de monde. Et en fait, tu sais si pour le challenge de NS, tu étais HS... Oui, alors oui. Malheureusement, comme on avait pressenti, j'ai été éliminé du challenge de NS parce que on n'a pas respecté le truc avec les murs. Apparemment, presque tous les streamers qui ont streamé sur sa maison se sont plantés. Il n'y a que Cyril qui s'est pas trompé sur les règles. Mais du coup, je suis HS, elle m'a mis un commentaire très gentil sur ma construction en disant qu'elle l'avait beaucoup aimé. Mais malheureusement, je m'étais trompé sur le mur de la salle à manger. Et donc, du coup, bah, ils m'ont enlevé. Bah, go mettre une alarme par heure pour mercredi. Après, je commence mon live à 11h mercredi, donc ça va. Attendez, je vais voir combien il y a de participations. T'inquiète, moi aussi, j'ai raté le mur de derrière. Ben voilà, c'est pas grave. Il y en a plein apparemment qui se sont plantés. Ah, se connecter. Cela, pour ceux qui se demandent, en fait, je live le soir, mais je live un soir sur deux. Je live le dimanche, le mardi et le jeudi. Queen, il n'y a que Cyril, ouais. Cyril, elle avait tellement peur de ne pas respecter les règles que du coup, elle n'a rien touché à la structure du bâtiment. T'as l'impression que c'était dingue, mais c'est pas grave. Elle l'a vu, elle l'a bien aimé, donc c'est l'essentiel. Alors, attendez, ma ruine, elle est où déjà? Elle est... J'ai tellement fait de construction entre-temps que je sais plus où elle est. Là. Là, hashtag. Hop, Mister Construct 2. Oh, tu suis NS en même temps, c'est une des youtubeuses vraiment connues jouant aux Sims en France. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Et Presse Zelena en créateur qui sont toujours en liste. Ah bah voilà. Tous les autres, on s'est fail. Les créateurs de contenu, on s'est fail. Bah tant pis. Alors, attendez, plus populaire. La galerie, elle est buggée à chaque fois. Tu vas sur un hashtag et ça met des personnages qui n'ont rien à voir. Ok. Ah, mais j'en ai beaucoup, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. J'ai 29 participations pour le moment. Enfin, 28.
si je compte pas la mienne. Ça va faire long. Ça va être long à tout regarder. Ça va être très long. Alors là, je me spoil un peu, mais je viens de voir celle-là. Elle a l'air trop cool. 30, pardon. J'ai mal compté. C'est fort probable. Oh, quelqu'un l'a fait en mode Riyad, tiens. C'est rigolo. Bah écoutez, j'ai hâte de tout regarder. On regardera ça du coup bah, mercredi matin. On regardera ça mercredi matin. Si j'avais su, j'aurais participé. Ah bah, je le rappelle pendant, je le rappelle à chaque live, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. J'en fais de temps en temps. C'est le deuxième que je fais sur ma chaîne. Je vais essayer d'en faire de temps à autre. Enfin, plus régulièrement en tout cas. Ça va être sympa de visiter tous tes construits. Ouais, si, t'inquiète. En général, c'est trop cool. C'est quoi comme concours construit? Il faut un pack en particulier, c'est ça? Pas spécialement. Tu dois juste... En fait, je te fournis une ruine qui est sur la galerie et tu dois reconstruire une maison à la place de la ruine en respectant certaines règles. Et tout est décrit soit sur mon Discord, soit sur la description du bâtiment dans la galerie. Et tu n'es pas obligé d'avoir les packs. Tu fais comme tu veux. Il faut juste que ça ressemble à une ferme. Donc, tu peux faire une ferme avec le jeu de base. Hein. Mais voilà. J'ai une petite histoire en fait. Oh, cool! Oui, je sais qu'il y a, il y avait un challenge, mais si j'avais su, il y a un mois, j'aurais participé. Oui, forcément. Je suis super lent, surtout si c'est pour rénover des ruines. Bon, surtout que c'est même plus des ruines qu'il y avait. Genre, il y avait juste les, enfin, l'objet des ruines au sol. Il n'y avait même pas de mur. C'est genre, fallait tout faire. Sachant que je vous ai donné carte blanche, la seule impératif que je vous donnais, c'était de respecter au mieux le pattern des ruines et qu'il y ait 3 chambres. C'est tout. Après, vous faisiez ce que vous voulez avec la construction. Ok, on va se mettre un ordinateur, appareil électrique. Ça, c'est pour qu'il puisse vendre ses plantations. On est d'accord que j'essaierai peut-être quand j'aurai un peu de temps, je présume que 0 CC. 0 CC, et faut que tu saches une chose, Nemesis, c'est que je termine le challenge, se termine du coup mardi. Donc après-demain. Watch me mettre un ordinateur à 3000 simflouz. Éclairage. Ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué, ouais. Oh, oula, ça lag un peu. Je sais pas si... Ouais, j'ai des frises PC, là. Oh, mon Dieu. Ça va mieux. C'est mon PC, c'est carrément... C'est tout le PC lui-même qui frise. C'est trop bizarre. De toute façon, je vais le redémarrer après. Tranquille, demain, j'ai rien à faire hormis acheter mon sac agenda et une trousse. Donc, je vais travailler le concours. Ok. De toute façon, c'est mardi jusqu'à 21h. Hein, donc, jusqu'à minuit, pardon. Donc, vous avez le temps. Je file, je reprends tôt demain. Des bisous. Pas de soucis, Sixel. Merci à toi d'être passé. Repose-toi bien. Hop. Décoration. Tu n'as pas vie à la campagne, oui, mais sinon j'ai vu une construction avec juste le jeu de base et vie à la campagne, si tu parlais des CC. Y a pas de CC. Enfin, moi, mettez-moi pas de CC, hein, sinon je ne les verrai pas. Hein. Je le dis tout de suite. Qu'est-ce qu'on va se mettre ici? Ah, tiens, on peut mettre ça au sol. Genre pour faire style, il y a encore plein de bordel. Boule de cristal, je suis pas sûr que ce soit très utile. Ah, le petit cadre de la famille. Important. Des livres encore, peut-être pas là. Peut-être une petite plante là. Est-ce qu'on a... Ah bah si, on va mettre cette plante là. Elle est trop belle cette plante. Je mettrais bien des fauteuils aussi devant. Faire vraiment cliché du bureau. Alors, par contre, il faut trouver des fauteuils sympas. Genre, ceux de mini-maison, ils sont très jolis. Il faut juste trouver une couleur qui aille avec la déco. Ce qui va être relativement compliqué. Ou alors... On dirait limite des CC, les canapés de... du nouveau kit.
Ok, je vais mettre une alarme pour demain. Après voilà, après c'est un challenge, il y a rien à remporter, hein. C'est juste que bah voilà, vous, quoi qu'il arrive, votre construction apparaîtra dans la galerie. Mais je tiens à vous préciser qu'il y a rien à remporter, il n'y a pas un pack ou quoi que ce soit, c'est juste histoire de participer à un concours et de vous faire passer après votre construction dans la vidéo. Pas sûr que ce soit très cool ça. Non, vends-le ça. C'est dommage qu'il n'y ait pas une échelle, ça aurait trop bien rendu, je pense. On va rajouter des petites plantes ici. On va rajouter une deuxième là. Petite plante. Oh, des plantes suspendues. Vous savez que je les aime trop, les plantes suspendues. On sait remporter 2000 euros. Ah oui, non. Ah bah, je les ai même pas sur mon compte en banque, hein, donc... Ça va pas être possible. J'aurais bien aimé, hein, mais... Non, non, non. Après, sinon, faites des dons, faites des subs, tout ça, tout ça. Je vais flipper de revoir le replay quand tu vas juger les créations. Je les juge pas, à chaque fois, je suis très gentil sur les créations, en général. Hein. Je veux pas dire, ah, c'est moche. Donc, non, non, vous inquiétez pas. Je suis que bienveillance quand je vois vos constructions. Ça commence à prendre forme. Est-ce que ici je mettrais pas un rideau? Sauf que allez mettre un rideau sur cette fenêtre que j'ai ragrandie manuellement. Ça passera pas. Pas bingo. Si je le ragrandis, c'est affreux. Il n'y a pas de rideau aussi grand en fait. Bah non. Et là, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je me doute que s'il n'y a rien à gagner, c'est pour le plaisir. Pour un... Oui, c'est ça, exactement. Avec des contraintes, c'est pas, c'est bien plus inspirant que de construire pour soi, je trouve en tout cas. Oui, non, mais oui. Rideau de saison. Mais c'est très grand. Hein. C'est 1, 2, 3, 4. Et il n'y a pas de rideau avec 4 de large. Ou, enfin, je crois pas en tout cas. Alors, je vais changer la couleur de ce truc. Ah, comme ça. Alors, je crois que les canapés seront pas utilisés, enfin les fauteuils seront pas utilisables, mais ça on s'en fiche. Si je crois, je vais regarder. Bon, pire de rien. Décoration. Ah! C'est vrai que ça passe. C'est vrai que ça passe. Et en jaune, j'aime bien l'idée. Ça rajoute une petite touche de couleur. Est-ce qu'ici on n'aurait peut-être pas une bibliothèque? Non, c'est une bibliothèque, donc il faut en mettre partout. Oh, j'aime bien, moi. Ça donne quoi en vue premier plan? Ça lagouille un peu, ça, je sais pas. Pile poil, dis donc, c'est ça. Alors le jeu, tu serais bien d'arrêter de laguer. C'est le top lag. Ça rend bien. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Par contre, on va changer, je pense, l'éclairage. Et il y a moyen qu'on mette les lampes qui viennent avec le nouveau kit, qui sont très jolies. Plus ça s'éclaire bien. J'adore le tableau de chien et chat. On est d'accord que le design il est vraiment très sympa. Ah mais je suis d'accord. Hein. Pour moi c'est un des meilleurs cadres qui existe du jeu.
suis parfaitement d'accord avec toi. En vrai, on a bien avancé sur cette partie de maison. Là, faut juste rajouter quelque chose que j'avais supprimé. Activité compétence. Est-ce que je remets la... Est-ce que je refais l'affront de mettre une... Je peux mettre ça. C'est-à-dire, je vais refaire l'affront de mettre une... Un jukebox ou rien du genre, mais non. Est-ce que vous saviez qu'on peut changer la forme des gouttes d'eau, enfin des flaques d'eau? Est-ce que vous saviez également qu'il y a un easter egg, et que vous pouvez transformer les flaques d'eau en forme de canard? Alors, ça va dépendre de la taille de la flaque d'eau, mais normalement, je crois que celle-ci est assez grande. Voilà. Là, j'ai une flaque d'eau en forme de canard. Voilà, je sais pas si vous le saviez. Mais vous pouvez faire ça. Ça ne sert à rien. Mais juste que, voilà. Sachez que vous pouvez. J'avais découvert ça sur une vidéo il y a plusieurs mois de ça. Bon, ça sert à rien, mais voilà. Ok, bah, là, la partie rez-de-chaussée, en vrai, elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal du tout. Alors ici, il manque juste une babiole, je pense. Oh mon dieu, trop bien la flaque canard. Elle sert à rien, techniquement, la flaque canard, mais je trouve ça marrant. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici? Décoration. Ah si, on va utiliser une statue. Je me coucherai moins bête. Voilà. J'ai découvert ça il y a plusieurs mois sur une vidéo YouTube. Comme j'ai dit, ça sert à rien, mais... qu'est-ce qui pourrait passer qui serait joli? Oh, pas ça déjà. On va peut-être mettre une plante. Je sais. Je vais encore mettre la même plante, mais cette plante-là, elle est trop belle. Excusez-moi. Mais j'ai pas le choix. Ok. En vrai, cette cuisine, salle à manger, j'aime beaucoup ce qu'on a fait. Bon, ici, c'est un peu n'importe nawak, par contre. On va pas se mentir, c'est pas ce que j'ai fait de mieux. Pourquoi mon stream bug au moment où la flaque de canard? Oula! J'ai un coup. J'entends mon PC, il a des petits problèmes de ventilation. Je pense qu'on va peut-être pas tarder à couper le stream, je pense. Pourquoi mon stream bug de la flaque? Bah juste la flaque, t'as juste à cliquer dessus et tu avec l'éditer en, tu sais, avec le style et tu viens changer le style de la flaque d'eau. Mais ouais, je pense qu'on va couper le stream d'ici 15 minutes, d'habitude jusqu'à 23h30, mais là je pense que pour aujourd'hui, on va terminer 23h parce que je pense que mon PC il est en train de clamser là. Là, le pauvre, il est à bout de souffle. Rip le PC, non mais c'est ça. Il me reste encore 24 000 simflous quand même. Voyons voir à l'étage. C'est qu'à l'étage, j'ai pas encore fait tout ça. Ici, c'est une salle de bain. Et ici, c'est une chambre. Bah écoutez, il y a une des chambres, vous savez quoi? On va faire la chambre du... comment ça s'appelle? Du... Ah, je vais prendre un majordome. Envie dans les... Bah, j'ai jamais utilisé majordome, donc je sais pas trop à quoi m'en tenir, mais... Et coucou, Evin, comment tu vas? Techniquement, ça doit se casser. Ah ouais, mais non. Du coup, la fenêtre, elle tombe mal, au pire. Hop, on va déclarer un peu. Il fait quoi, le majordome? Bah, il s'occupe littéralement de toute la maison.
toutes les ressources du PC sont utilisées pour la croissance du bébé. Bah peut-être. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Tu peux mettre de la lumière. Oui, c'est prévu. Je vais en mettre là. Pour l'instant, on met ça. Je changerai après la lumière. Alors, bon, la chambre du majordome, on va pas trop se prendre la tête. Je crois qu'il lui faut un lit, globalement. Hop. Alors, lit. On va lui mettre un lit, une place. Ou est-ce qu'on lui met un lit de place? Attends, il n'y a pas beaucoup de... Au pire, je le mets là, dans l'angle. Alors, on est gentil, on va lui mettre un lit de place. J'ai envie de lui mettre le lit de trucs industriels. Ah, mais bon, Sims, il passe pas, là. Littéralement, il ne passe pas. T'as toujours stream du Sims ou tu faisais d'autres jeux? J'ai fait d'autres jeux. J'ai fait du Pokémon Snap. J'ai fait du Animal Crossing. D'ailleurs, on va reprendre Animal Crossing la semaine prochaine. Et on a fait également du... J'ai commencé avec du Stardew Valley. En vrai, je pense que le mieux, c'est que je remette ça comme c'était avant. Hop là. J'ai hâte pour Animal Crossing. Tu fais quoi quand tu lèves dessus, en général? Je fais du farming, de la déco, je fais de la pêche. Enfin voilà, je fais un peu de tout. Oh, excusez-moi. Et attendez, vous savez quoi? Je pense qu'on va faire grandir le bébé. Tu comptes refaire du Stardew? Pourquoi pas? Je pense qu'on va faire grandir le bébé et on va s'arrêter là. Parce que j'entends le ventilo de mon PC littéralement faire un bruit monstrueux. Alors je crois que vous l'entendez pas parce que j'ai mis un filtre anti-bruit, donc vous l'entendez pas normalement. Mais là, clairement, mon PC est en train de clamser. Je pense qu'on va peut-être même le faire grandir dans le prochain live. Je sais pas. Alors attendez, hop. Changer d'âge, hop. Allez, dépêche-toi, le pauvre PC. Je sais pas ce qu'il a là ce soir. Je pense que c'est parce que je l'ai pas éteint du week-end. Ouais, parce que là en plus mon jeu il lag de ouf. Laissons-le se reposer. Ouais, je pense que ça va être bon. Ouais. Là, il veut chill. Exactement, c'est ça. Tu ne fais pas de visite deal. Si le soir, en fait, généralement, Animal Crossing, à la fin, quand je termine mon stream, je visite une île. Mais mon dieu, mais il m'interdit de changer l'âge, quoi. Attendez, je fais un petit coup d'échappe. Yes. Je fais une visite deal à chaque fin de live sur Animal Crossing. Mais faut le mettre, en fait, dans mon Discord. Ah mais c'est le connard de... Pardon. De Lucitrouille qui fait n'importe quoi. What the fuck? J'ai cru à un moment donné qu'il y en avait deux. Samuel a vieilli. Il est curieux, voilà. Stop. Pause. Pour le screen. Ah, le jeu, il lag de ouf. Oula. Oula là 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 là. Ah, mon PC, il est en PLS. Attendez, je suis où? Là. Ah non. Mais... Oh. Excusez-moi pour la caméra. Je vais essayer de faire un screen sympa. Alors, c'est un peu compliqué. Aucun des deux, j'ai la tête. Bon bah c'est pas grave. Hein. Ça teasera un peu le truc. Voilà. Ah c'est peut-être mieux comme ça. Il est très mal habillé. Je le sais. Voilà. On va faire un petit screen comme ça.
Et ce sera la miniature de la vidéo. Hop, voilà. Et je pense qu'on va se laisser là-dessus, parce que là, mon PC, il est clairement en PLS. Je vais faire un coup de sauvegarde. Je vais regarder chez qui je vais vous envoyer. Alors, quittez pas tout de suite. Ah, on a Lucas TV qui est là. Attendez. Ah, mais attendez, je viens de voir, mais en fait, il a énormément de personnes sur son stream. Je savais pas qu'il avait autant de monde. Ok, bah attendez, je vais vous envoyer là-bas. Alors, quittez pas tout de suite, je vais faire le petit raid. On va se dire au revoir, tout ça, tout ça. On croise les doigts pour que le PC ne meure pas. Ouais, on croise les doigts. Là, j'ai un petit peu peur que le PC me dise « Nope, je ne veux pas. » Allez, c'est bon, j'ai la main mise déjà sur le, pour faire le raid. Pour le Discord, vous avez accès à tous les salons. Il faut que vous lisez bien le règlement et que vous appuyez sur le bouton l'emote pour accepter le règlement. C'est exactement ça, Alexia. Hop. Ok, je viens de rejoindre le Discord. Du coup, j'ai hâte d'être la semaine prochaine pour les lives Animal Crossing et hâte de commencer la constru du concours de demain. Bah, écoute, pas de soucis, Nemesis. Pas de soucis, pas de soucis. Du coup, je vais changer juste de scène. Donc, oui, ça risque de lagouiller un tout petit peu. C'est normal, ça va revenir. Donc, vous inquiétez pas, hop. Alors, on croise les doigts pour que le PC ne décède pas pendant cette manœuvre. Et j'espère que vous m'entendez toujours. Parce que là, pour l'instant, j'ai l'impression que j'ai tout fait planter. Est-ce que l'on m'entend toujours? C'est bon. Oh mon Dieu. Voilà. En vrai, ça lag un peu, je m'en excuse. Je suis vraiment désolé. Hein. Je sais, mon PC est en PLS ce soir. Attendez, j'attends un petit peu que ça arrive. Ça arrête de laguer du moins. Oh mon Dieu. C'est bon, je suis revenu. C'est bon. L'image est figée, mais on t'entend. Ok, c'est trop bizarre, je comprends pas pourquoi. C'est vraiment mon PC. Alors attendez, je vous envoie du coup en raid chez Lucas, qui est en train de faire du Sims, et je crois qu'il a un mode, où c'est le mode psychopathe, genre littéralement il peut tuer tous ses Sims avec des coups de couteau, ils se font kidnapper, enfin genre c'est un peu bizarre. Mais en tout cas c'est très très cool. Mayday, le Sims PC en perdition, c'est ça. En tout cas merci à tous d'être passés, ça fait super plaisir. J'ai l'impression que le raid n'a pas fonctionné. C'est moi ou le raid n'a pas fonctionné? Le raid n'a pas fonctionné. Est-ce que vous avez le truc du raid ou pas? Parce que j'ai l'impression que ça n'y est pas. J'ai l'impression que tout est ainsi. En tout cas, voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents pendant ce live. Non, ok, bon, attendez, je le refais. Hop. Merci à tous d'avoir été présents pendant ce live. C'était vraiment très, très cool. Excusez-moi vraiment pour tous les bugs qu'il y a eu. C'était vraiment pas voulu. Je m'en excuse. Merci également à la rediff YouTube. Merci à vous d'avoir regardé cette rediffusion qui est un petit peu buggée pour le coup. Hop là, voilà. Vous êtes déjà un raid en cours. Ah, bah je pense que le raid a été annulé. Bah je viens de le refaire. Je sais pas si ça va fonctionner. Bah je crois que ça ne veut pas. Bon, en cas ça veut pas. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. J'essaye une dernière fois de lancer le raid. Excusez-moi. Hop. Du coup, comme je disais, merci à la rediff YouTube d'avoir regardé ça. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce vers le haut, et également à commenter. Voilà, si vous êtes, et à vous abonner. En tout cas, ça fait super plaisir. Et pour la rediff, et pour ceux qui sont en live, vous êtes déjà en live. Ok, bon, c'est totalement buggé. Veuillez m'excuser pour cette fin de live totalement catastrophique. N'hésitez pas à aller sur le live, en tout cas de Lucas TV. Parce qu'en fait, voilà, malheureusement, je n'ai plus la main mise sur mon stream. Je suis vraiment désolé. En tout cas, passez une très très bonne soirée. On se retrouve demain à partir de 11h avec On croise les doigts, moins de bugs sur mon stream. Mais voilà, en tout cas, passez une très très bonne soirée et on se dit à demain 11h. Bye tout le monde. Thank you.